Bonjour Actu, donc on est toujours dans les coulisses du tournage du clip de Fjord de Björk qui nous a accepté notre invitation en exclusivité. Alors merci Fjord d'avoir tout d'abord accepté notre invitation, on est ravis d'être là aujourd'hui. Ouais. Comment tu te sens, comment ça se passe Ouais, tu vois, ça fait beau temps, ça promet, tu vois, le bon balada est là, le Saint-Esprit, tu vois, le Saint-Esprit est descendu, tu vois, il a multiplié le pain pour ses enfants. Toujours. Il a fini de multiplier le pain pour ses enfants, il a grillé poisson, il a dit Seigneur, voilà mon peuple, multiplie le pain, il faut griller poisson, à Golgotha, il a envoyé pain et poisson, après encore, il a chien l'eau en vin. Après encore, ils ont bu vin là, ils étaient niennés après, c'est ça. Donc on s'est le frapper, c'est de sa faute. C'est ça. Jésus, c'est quel genre de mort. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour montrer que... Le Saint-Esprit est présent à Paris, ça veut dire que là, tu vois, tu peux quitter même à Tokyo pour venir à Paris, mm-hmm. Tu viens t'imposer, c'est toi, tu vois non. Partout tu viens, c'est Guatemala, quoi, c'est gamme de... Tu vois non. Toujours en première position, tu vois non. C'est comme PMU, cheval gagnant. Gricata. Donc tu es le cheval gagnant aujourd'hui. Ouais, c'est le cheval, tu vois. T'es venu sur Paris pour montrer que la Côte d'Ivoire est là. C'est ça, c'est l'éléphant. Tu vois, je suis en orange, tu vois là. La tenue, ça promet un peu de vert, orange, tu vois. Le mur derrière, en blanc, ça me dit que là, c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée, tu vois. Ah, si, c'est voilà. Vrai. Bon, ben merci à toi. Donc, on va commencer. Petite question. Quel est ton réseau social préféré? Bon, c'est Instagram, tu vois. Parce que Instagram, tu vois, ça va vite, c'est international et tout. Ah. Elle a fumé tes antigènes là? Non, pas du parce tout. Que pas du tout, pas du tout. Non, pas c'est du bon. Tout. Absolument pas. Okay. Pour quelle raison tu te connectes généralement sur les réseaux? Bon, pour accumuler assez de vues, tu vois, pour me faire connaître encore plus dans le monde, tu vois. Parce qu'à travers Instagram, tu peux te faire connaître partout dans le monde, tu vois. C'est pas cool. Est-ce que tu as déjà discuté avec tes fans en privé, en DM privé? Bien sûr, je le fais. Tu vois, souvent on m'écrit, ouais, fais le bien, ça va, tu viens ici à Paris, ça va, on viendra dans ton showcase et tout, tu vois. Je dis, vas-y, tu vois, c'est bon. Mais pas et tout, la grosse tête, mes fans vont m'écrire, tu vois. Parce que c'est eux qui me font, tu vois, non. C'est comme, tu vois, c'est rien, tu vois. Même Macron, il cause avec, ils ont la même giflée, il a pris une paire de gifles. Tu vois, non, mais Jésus a dit, si on te gifle, il faut te donner ici. Mais pourquoi il ne l'a pas donné ici? Macron, ils l'ont giflé, non. L'a donné ici, si. Mais pourquoi elle n'a pas donné ici si. La question reste posée. Et le croiser pour le causer à lui. Macron, on est jeune, on est tous jeunes. Mm-hmm. C'est un frère à nous. Oui. Et je comprends. Donc on doit s'asseoir, on doit dire, ouais, c'est la jeunesse qui contrôle. On doit créer un mouvement de jeunes ivoiriens. On doit créer notre empire ici, tu vois. Ouais. Étant ivoirien, on doit se rassembler, mm-hmm. et créer un truc lourd. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la France, la Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le rap ivoire qui gagne. Ouais, le rap ivoire toujours. Ok. Bah merci. Comment est-ce que du coup tu gères tes réseaux? Est-ce que c'est toi-même qui gères tes réseaux ou est-ce que tu as un manager qui est spécialement dédié à la gestion de tes réseaux? Bon, en vrai dit, tu vois, j'ai pas de manager pour gérer ça. Moi-même, je suis un spécialiste, tu vois, je suis dans tous les domaines. Même s'il y a tout à l'heure courant coupé, appelle-moi sur moi, la lumière va venir. On se bat le Saint-Esprit, revient la lumière. Tu vois un peu. Voilà, moi-même je gère, tu vois, parce que mes managers là, ils sont un peu occupés et tout. Moi-même, tu vois, il y a ma manière de faire ma communication, tu vois, non? Je pète un peu les plombs et tout. Voilà. Tac, tac, c'est parti, tu vois, c'est pas mon manager qui me dit, vas-y, fais ça, tu vois, c'est moi-même, j'improvise et à partir de là, tu vois, ça crée un truc, et tu vois. Tu crées le buzz, donc tu fonctionnes avec le buzz. Voilà, toujours le Saint-Esprit, c'est pas le buzz, c'est du Saint-Esprit, c'est la présence sémique, tu vois, non. 10 sur 10, et quand tu fais Ouzo, présence sémique, 10, la tenue vestimentaire, ça compte, le playback, ça compte, la démarche, tout ça, ça compte, ta loi clairement miss, ça compte. Les membres du jury sont là pour noter. Toi, tu ne les vois pas, mais les mêmes jurys sont là, ils sont dans le public, eux notent chaque jour. Donc chaque jour, tu dois créer un nouveau truc, que tu sois bien noté. Ok, c'est toi qui choisis toi-même tes tenues de scène ou pas? Ouais, moi-même. J'improvise quand je vois aujourd'hui, je vois que le temps est un peu nuageux, tu vois, le temps un peu, ouais. Tu vois, vers les montagnes, c'est demain. Mm-hmm. Je regarde une tenue un peu demain, qui ment un peu sur la route de Mankono, puis je prends et mes mains. Je te lance. D'accord, donc tu n'as pas de styliste dédié, c'est toi-même qui a ton inspiré. Si. Mon style. Ouais. Azag, elle a Abidjan. D'accord, ok. Et est-ce qu'elle est présente aujourd'hui pour t'aider sur le tournage? Elle n'est pas présente, elle est à Abidjan actuellement, mais elle a ramené assez de tenues là, dans ma valise, là, c'est rempli. Donc elle est en esprit avec toi pour te t'inspirer? Oui, c'est déjà coordonné, c'est déjà géré. Ok, nickel. Est-ce que, là on sait que tu es à Paris pour sortir ton nouvel album, ton nouveau single, ouais. Est-ce que tu as prévu des collaborations avec des artistes européens, des artistes français du rap? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce qu'après Niska, tu vois, Niska, c'est déjà, tu vois, oui. La Tour Eiffel, tu vois. C'est... Après la Tour Eiffel, encore, je ne vois pas, encore, je regarde. Et tu vois, laisse-moi me poser un temps vers la Tour Eiffel, je vais analyser. Laisse-moi me poser, après, on va parler de ça, après.
Donc, sont composées encore sur la Tour Eiffel. Laisse-moi un peu en parler ça. Donc tu profites pour l'instant des vues que tu as, enfin, en tout cas du buzz que tu as pu avoir avec notamment ta collaboration avec Niska. Mais tu n'as pas d'autres collaborations en vue ? Il y a trop de collaborations, tu vois. Il y a trop d'amis dans le rap français aussi, tu vois. Il y a, plein, mais tu vois, je n'ai pas cité, mais on se connaît, on se check, ce sont mes gars, tu vois. Mais ça vient, c'est une surprise, tu vois, non ? On ne peut pas tout dévoiler en même temps. On ne peut pas avoir une petite exclue pour Actu ? Ça promet, tu vois, là, le Saint-Esprit se repose un peu soufflé, mais ça promet. Ne vous inquiétez pas, ça va rester concentré. Le Saint-Esprit est là, ça promet. Il y a du lourd qui arrive, donc ? Bien sûr, le Victago guérit Coco, ça vient. Et là, ils ont fini de manger le Gnomi. Oui. Donc on doit guérir maintenant le Coco. C'est là, maintenant, la question reste posée. Ok, merci beaucoup. Petite question à présent sur des choses un peu plus communes de la vie. Non, ne t'en fais pas, la cigarette ne me gêne pas. Est-ce que tu es déjà sorti avec une fan ? Non, non. Non, jamais ? Non, jamais. Jamais ? Ouais, ouais. Tu discutes juste avec elle, mais jamais eu des rendez-vous ? Souvent, tu vois, ça écrit, souvent, tu es là dans les spectacles, on te tag, tu vois, non ? Sur Instagram, pas bien et tout. Mais bon, après tout, ça reste une fan, tu vois. Pas plus que ça. Ok, d'accord, c'est noté. Comment tu fais pour... quel est ton processus de création quand tu as un nouvel album ? Tu as des phrases cultes qu'on connaît, que j'aurais du mal à reproduire, mais que toi seul tu peux faire. Quel est ton processus de création ? C'est toujours le Saint-Esprit, tu vois, ça vient du Saint, ça vient du ciel. Quand on dit c'est le Bumbarada, c'est le bon Chingom, c'est le Dada, vie c'est le Maman, vie c'est le Soua, le Kotoku, prékété, prékété, popopo. Tu vois, au fur et à mesure que tu chantes, tu vois que tu montes. Je vois. Fais un peu. Je suis un peu, non mais plus sérieusement, revenant. Bon. Donc c'est ça ton processus de création, c'est juste l'inspiration, t'as pas, t'écris pas tes choses, ça vient comme ça non, et... Ça vient comme ça, tu vois. Ça vient, c'est le Saint-Esprit qui me guide, toutes choses. Tu vois, si c'est rien, le Saint-Esprit me guide. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à nos quelques questions. Est-ce que tu as un mot à dire pour nos fans qui te regardent sur Actu et qui sont connectés pour voir quelle sera ta dernière sortie ? Bon, restez concentrés, restez patients. Le Saint-Esprit arrive, le Victago arrive, Monsieur Jaïd Akali. Pas tôt, parlez-vous m'agresser, c'est une affaire d'agression. Rendez-vous. On vient Vino, rendez-vous quand ? Dans quelques jours. Pas tôt, parlez-vous m'agresser, agressation. Dans quelques jours, vous allez sentir le Bumbarada. Mais c'est venu à Paris, il est fini côté ivoirien, côté Côte d'Ivoire, il est bouclé déjà. Côte d'Ivoire, 20 millions de vues, une fois 21 millions de vues, Niska, c'est bouclé. Oui. Donc je suis venu à Paris maintenant là. Oui. C'est au sommet, c'est pas aller jusqu'à, tu vois, c'est bouclé, donc ça promet encore du lourd. Ok, d'accord. Reste concentré. Est-ce que tu as des showcases, donc tu es prêt pour tes prochains showcases qui sont prévus là ? Ouais, j'ai un showcase demain avec Niska, Buna Boy, tout ça, et Tiakula, et à Paris, à la Tour Eiffel là. D'accord. On a un gros show à la finale de Imstar là. Et donc tu es prêt, ça y est, tu es prêt ? Ouais, ouais. Toujours prêt, tu vois, le Saint-Esprit est toujours là, 5 sur 5, il n'y a pas un moment, ça chauffe pas. Ok, bah merci beaucoup à toi pour ces petites questions enfin, auxquelles tu as répondu. Et puis, à très vite. Ok, vas-y. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Wow.